Hello YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Manchester United. Alors, dans la session précédente, nous avions fait. Alors, on a commencé là, on a fait une victoire face à Dortmund, un match nul frustrant face à Crystal Palace, une victoire face à Newcastle et une victoire face à Bilbao. Et ici, nous avons au moins Aston Villa City. Et sûrement les Wolves. On va commencer par Aston Villa en espérant une victoire tout de suite. Ce serait assez sympathique. 675. Je vais rien lui dire parce qu'il est déjà pas content. Enfin, pas content, je veux dire, il joue pas ouf quoi. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte parce que je dois aller chercher ma fille plus tôt vu qu'on est mercredi aujourd'hui. De tourner cette vidéo. Millions, c'est toujours bon à prendre. Moi aussi. Nous attendons tous une victoire face à Aston Villa. Nous sommes à domicile face au 9e et même les Wolves, il faut une victoire. Nouveau contrat. Combien tu gagnes? 253 000. On va dire que ça me paraît raisonnable, on va voir. Alors, est-ce qu'on fait tourner un petit peu? Minutes de jeu, donc toi, je vais te mettre là. Une fois Garnacho du Roux. Et on aimerait une victoire, je précise. Si t'as paru heureux, alors montre-moi. Qu'on regarde, on a quand même une bonne forme récente. Ouais,
Il y a pénalty, hein, il n'y a même pas photo. Hein. Bien ça! Allez, 1-0. Oh, faut le reprendre là, gros! Bien, on en a, bien, bien, bien. Ça tombe plutôt pas mal. Là, il y avait hors-jeu, je crois, de toute façon. Oh là! Oh, du rose, s'il te plaît. Oui, Eriksen doublé! Lui, il est frustré de ne pas avoir joué quelques matchs. Il s'est dit aujourd'hui, je m'en fous, je tape des buts, hein, je vous le dis. Sur une passe D de Valentin Barco. Chaque fois que je mets un but, il y a un corner derrière, super. Non, 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 sérieux. Concentrez-vous, bordel. Pas vu que c'était une erreur d'Anthony. Allez, on gagne toujours. Par contre, on est moins. Anthony va sortir. Barco va sortir. Pas de pression. On demande plus. Rixen, Amrabat. Allez, faut garder la victoire, s'il vous plaît. Il y a 5 minutes. Putain, la victoire, la victoire. Bien ça, mais là c'est allez, bien ça. Il est hors jeu. C'est dommage pour Diallo, mais il est hors jeu. Le but de raccro de Duro quoi. Oh, Rashford a l'air blessé.
C'est 3-1. Bon, la victoire est là. C'est une très bonne nouvelle. Bien joué. Par contre, Anthony, ouais, il a paru enchanté. Je vais rien dire pour le moment. Je préfère pas. Un, deux jours. Et après, on a City en Carabao Cup. Je ne sais pas ce que ça va donner. Content que Manassa ait pu faire un petit bout de match. Super bien. Voilà, Barco, je ne le connaissais pas. Franchement, très belle découverte. Hein, ça tombe, il y en a plein qui le connaissaient déjà. Moi, franchement, pour le coup. Perso, je ne le connaissais pas. Alors, est-ce que City va mettre son équipe type ou pas? C'est une très très bonne question. Je vais mettre en positif pour ce match-là pour voir. Toujours 45 minutes de jeu. Amrabat, il est bon, je vais le laisser. Mount. Mount, il est un peu moins ouf. Anthony, Eriksen, Garnacho, Duro. Je pense que je vais laisser comme ça. J'attends encore 7 jours à 2 semaines. Je vais laisser comme ça et on va voir ce que ça donne. Ça reste City, donc bon. La bonne équipe quoi. On s'est mis en positif, on va voir ce que ça donne. Je vais encourager tout de suite. Bien ça, bien battu ça. C'est ça que je veux voir. Bien ça. Allez, Eriksen. Sur une passe de Garnacho. Allez, 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 on se bat, on se bat, on se bat, on se bat, on se bat.
Faut se battre! Bien, on a bien une bonne prise de balle, ça. Là, je me fais bouffer. Ton offensive, de toute façon, tu n'as rien à perdre, j'ai envie de dire. Ouais, je me fais bouffer, hein. 14, 14 à 6. Oh, Marco, s'il te plaît. C'est éliminé. On va se faire éliminer. C'est dommage, hein, on débute bien le match en plus. On les prend bien à la gorge et puis derrière, bah voilà. On se fait punir. On se fait punir. C'est rageant. C'est rageant. Pis, hein. Parti, ça nous met. Ah ben oui, c'est juste. Il va falloir prendre le temps de réfléchir quelques temps. Il s'attend. Je veux bien, moi. Troisième. Bon. Une victoire face au Wolf, s'il vous plaît. Un, deux, trois jours après.
Mais oui, mais je veux bien, toi qui veux pas, t'es con, quoi. Ça m'énerve. Oh. Je veux bien te re-signer, c'est toi qui veux pas. Ah. Ça, c'est bon. Signe, elle casse pas les bonbons. Offensif. Très bien, j'attends une victoire. Hein. Allez, on est reparti. Je suis super content pour Martinez, mais du coup, j'ai motivé trop tôt. Bien ça. C'est comme ça que je veux qu'on joue. Je vais la fermer vraiment. À un moment donné, je vais me taire parce que ça va pas le faire, quoi. Après le 2. But d'Anthony. Voilà. But de Varane. 0-3. Bon, je vais rien dire parce que hein, on en a déjà vu d'autres. Avec un Chelsea 7e, Tottenham 8e, Newcastle 9e. Celle-là, si elle rentre. Elle est blessée. Ah, un but de Duro, tiens. Elle est blessée quoi? Au jeu? Bon. 0-4 à la mi-temps. Normalement. Garnacho est toujours pas au mieux de sa forme pour le moment. Même avec un 0-4. Oh, j'ai oublié de regarder pour Amrabat. Je vais le faire sortir à la 60e. Oh, Anthony, tu fais pas prendre le ballon comme ça, sérieux mec. Allez, battez-vous, bordel, comme au début de match, battez-vous. Vous vous battez plus. Qu'est-ce qui se passe? Concentrez-vous, bordel.
Allez, bam! Et Duro, arrête de faire ça. Il y a combien en tir, Duro? Tir de loin, 12. Non, mais c'est quoi ça, Varane? C'est un peu tôt, mais ils sont fatigués, donc normalement 1-4, il reste 10 minutes. Marquez. C'est fou quand même se laisser aller à un moment donné. Malassia, bordel! Un 4, jolie victoire quand même. Je sais bien, je m'emballe à un 4, mais j'aime pas ça. Quand tu mènes 0-4 à la mi-temps, tu te relâches pas comme ça. 4 à 6 jours. Et là on joue le 5, donc ça ferait 3 jours. Mettre 5 jours à Barco. Non, 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 non. Oui, mettre 2 jours. Comme ça. Contre, ça fait 2 jours, c'est long. J'ai mis un jour quand même, je me suis trompé. Là, la diodrome. J'espère que j'ai pas fait le con. Je sais plus si j'avais enregistré. Putain, il est pas inscrit. Oh, la boulette.
Tant pis, on va faire autrement. J'ai oublié de l'enregistrer. Enfin, j'ai pas oublié, c'est parce qu'il était blessé de très longue date, donc je l'ai pas fait, mais. Du coup, j'ai mis Barco. J'aurais dû faire Barco après. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire autrement. M'arrêter après Brighton, comme ça je ferai passer les 2 semaines. Bon, 4 semaines. Oh, putain. Ça va être tendu. Ça va être tendu aux défenses. Parce que je comptais mettre Martinez à gauche, Borno là et Varane à gauche. Enfin, défenseur central gauche. Et je vais pas pouvoir faire ça. Et devoir faire ça, tant pis, j'ai pas le choix. Ah bon, on va aller comme ça et tant pis, hein. Toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Allez, on est parti, hein. Dommage. Si on pouvait rester dans les 8 premiers, ce serait cool. Non, c'est pas Onana, ce sera un corner. Bon, là, tout de suite, même un match nul à la limite. Ah, j'ai pas le choix apparemment. Allez, allez. Mais battez-vous. Bien. Ah, oh, Minguesa, non, Minguesa. Ouhouhou, merci, Onana. Après, bon, Minguesa, le pauvre. Bien, Anthony. Très bien. Bon retour défensif d'Anthony, là. Plus tout de suite.
Ça pour le moment, on verra. Je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Je sais pas quoi faire. J'ai bien l'impression que ça va être un pauvre 0-0. C'est dommage, mais vu que la Lazio est là, ça me choque pas plus que ça. Non, bien ça. Non, ça pas bien par contre. Oh putain, on va perdre le match, je suis dégoûté. Non, non, mais... Putain, c'est pas possible! Vous le faites exprès, sérieusement, vous le faites exprès, quoi. Vous le faites exprès, je vois pas d'autre... Bon, on reste dans les 8 premiers, c'est déjà ça. Dure 3-4 semaines. Bah, c'est super, on fait quoi, nous, derrière? Putain, pardon. Ça pour dire qu'on se fait peur quand même, hein. Bon, faut gagner face à Brighton, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Si, on a le choix, mais... Faut prendre des points et à mon avis, ce sera le dernier match de la soirée. De la soirée. De la vidéo. Comme ça... Je peux passer les 2 semaines tranquille et on gagne 2 semaines. Deux semaines in-game. Et ça m'embête. Je crois que tu vas jouer quand même. De toute façon, il y a 2 semaines après, donc.
Et BB. Par contre, non, si. Bon, allez, go comme ça. Ça me gave. J'ai trop de blessés, ça m'emmerde. Allez, on veut une victoire pour la fin de cette vidéo. Ça fera 45 minutes de vidéo, elle est un peu plus courte, mais bon. Ce n'est point grave. Allez, allô? Allô l'équipe? On a besoin de vous sur le terrain? Y a rien. Il n'y a absolument rien qui se passe. Une action. Qui se transforme en but. Premier but de la saison. Hein. Rashford. Bien ça. Allez, de... Ah voilà. Par contre, jouer vers l'avant, non? Ça va, Anthony, on t'embête pas? Tu le dis, hein? Sur une passe dite Camara. Allez, on reprend le ballon là, on reprend le ballon. Qui l'a touché. On est encore en train de lâcher ou c'est moi là? C'est bien de dominer, mais... On va prendre un but. Je sens... Ouf. Ça aurait été un très beau but, ça. C'eût été un très beau but. Sans le T après, c'eût été un très beau but.
normalement, on devrait le gagner. Je vais quand même me taire parce que. Mais cours à Van Persie, qu'est-ce que tu me fous là? Bon, victoire, parfait, 1-0. Une belle victoire, c'est pas vraiment une belle victoire, mais bon. C'est pas vraiment une belle victoire, mais c'est une victoire et c'est ce que nous demandons. Et dans 2 semaines, nous avons West Ham à l'extérieur. Je vais attendre qu'il ait changé de jour et je vous laisserai là. Et moi, je passerai les 2 semaines. Pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ben voilà. Un grand merci à tous. À la prochaine. Et ciao, bye YouTube.